De retour à Calvi, presque 6 mois après leur départ, en Afghanistan, les hommes du GTIA se sont réunis une dernière fois autour de leur chef, le colonel Bello des Minières, pour une ultime prise d'armes. Cet événement était le dernier acte avant la dissolution du bataillon et le retour de chaque unité dans leur régiment respectif. Le général d'armée, Elriki Rastorza, chef d'état-major de l'armée de terre, présidait cette cérémonie à laquelle ont également assisté M. Donneau, sous-préfet de Calvi, et M. Santini, maire de Calvi. Après la lecture de l'ordre du jour, le général Rastorza a procédé à la remise de plusieurs décorations aux hommes qui ont composé le bataillon. 6 mois et demi de déploiement sur le théâtre, l'aventure touche à sa fin, et nous rentrons chez nous avec le sentiment du devoir accompli et d'avoir participé à faire bouger les choses un petit peu là-bas en Afghanistan. Cette cérémonie fut suivie par un moment de détente et de convivialité autour du chef d'état-major de l'armée de terre et du chef de corps du 2e étranger de parachutistes.